Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo réaction. Et aujourd'hui, on va réagir sur un rappeur auquel j'ai déjà réagi il y a très peu de temps. Un rappeur marseillais qui monte en puissance. Je sais que vous l'avez reconnu, Soso Maness. J'ai décidé de réagir sur son dernier son Petrushka en featuring avec le rappeur PLK que je ne connais pas. Un son qui est numéro 1 sur Spotify, sur Apple Music, sur Deezer, sur YouTube. Il est en train d'acquérir le tube de l'été 2021. Je pense que c'est lui qui va l'avoir. Et j'ai vraiment pas envie de passer à côté. On va réagir dans un premier temps au son et juste après on va réagir au clip. Mais avant de continuer la review, je demande à chacun d'entre vous de vous abonner, mettre un petit pouce bleu pour soutenir la vidéo et s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager. Et bien sûr, comme d'habitude, c'est parti. Avant de faire cette vidéo, j'ai décidé de faire quelques petites recherches sur le son Petrushka. J'ai vu qu'il samplait le titre d'Ivan Larionov qui est sorti en 1860, Kalinka. C'est un célèbre son, on va le reconnaître ensemble quand on va écouter le son. Un célèbre son russe. Mais on perd pas de temps, on va commencer l'écoute du single. Ok, donc ça commence avec le sample d'Ivan Larionov, Kalinka, comme vous l'expliquez. Normalement, c'est beaucoup plus rapide. Ok, ça. Oh! Ah, oh là, ça s'est accéléré d'un coup là! Ok, je pense que ça c'est le refrain. Et je comprends pourquoi c'est un tube. En vrai, le refrain il rentre facilement en tête grâce au sample de la chanson de Larionov. Ça donne plus de puissance au titre. Et même les couplets sont stylés, les couplets, hein! Okay. Ça, c'est l'air de Zumba Café ou la sous-titre avec Jul, tout ça. Il aime bien le rappeler à chaque fois. Il a sorti un son de Zumba Café où là, il a répété l'air. Ok, et le rythme il ralentit. Et ça, c'est PLK. Je connais pas en vrai. On dirait la même voix que Soso Maness. Mais j'avais pas remarqué un truc, vous aussi. Il n'y a pas de vocodeur. Ils abusent pas du vocodeur. En plus, ils ont un flow. Ok, le son est fini, je pense, vu qu'on arrive à la fin. Ça, c'est un son rap pour l'été, sans prétention et léger. C'est ça que j'aime. Maintenant qu'on a écouté la chanson ensemble, on va réagir directement au clip. Ok, il y a bien l'ambiance russe. Les ballets, ballerines ou ballets, on m'avait compris. Par contre, le clip, il est pas un peu sombre pour une chanson légère comme ça, fun. Ouais. Ok, c'est une réunion d'aristocrates russes. Hey, Marseille, j'aime trop rappeler Marseille, c'est chaud quand même. Wesh les gars, laissez votre ville tranquille. En vrai, le clip, elle a pas dû leur coûter cher, hein. Il y a 2-3 plans, ça va, ça passe. Lui, je crois qu'il était sur le son Zumba Café, son flow et sa voix, il me dit quelque chose. Je peux jouer en attaque et en défense, je fais 6, je fais 100, je fais 1000, je fais 100, t'es
Ok, les plans, elles se répètent un peu trop. Je préfère qu'il y ait un peu plus de lumière, un peu plus d'autres plans. Vous voyez? Le clip est fini. Personnellement, j'ai kiffé. En tout cas, je suis jamais déçu avec ce Somanes. Donc, personnellement, j'ai vraiment kiffé. Et comme tout à l'heure, un oui. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez aimé le son ou si au contraire vous avez détesté. Est-ce que ce titre mérite d'être numéro 1 du top single de cette semaine? Dites-moi aussi ce que vous pensez de ce Somanes. Pour ceux qui l'ont toujours pas fait, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu pour soutenir la vidéo. Et n'hésitez pas aussi à partager. Au passage, il y a d'autres revues de disponibles, mais aussi la revue sur l'album de Sosomanes qui est disponible juste ici, vous pouvez regarder. Allez, prenez soin de vous et à très bientôt.